Une histoire à quatre voix. Une histoire à quatre voix. C'était l'heure d'emmener Victoria, notre labrador de pure race, et Charles, notre fils, faire leur promenade matinale. Attends, j'ai oublié. Oh, regardez, j'ai oublié des premières voix. C'est bon, je pense que j'ai oublié de dire première voix. Nous entrâmes dans le parc. Nous entrâmes dans le parc et je libérerai Victoria de sa laisse quand brusquement un vulgaire bâtard surgit et commença à l'importuner. Je le chassais, mais le misérable Cornio se mit à poursuivre Victoria à travers tout le parc. Je lui ordonnais de partir, mais la sale bête m'ignora complètement. Assieds-toi, dis-je à Charles ici. Dis-je à Charles. Dis-je à Charles ici. Je réfléchissais au menu du déjeuner. J'avais un joli reste de poulet. Je pouvais le servir agrément d'une salade ou bien décongeler l'un de mes délicieux potages lorsque je remarquais tout à coup que Charles avait disparu. Mon Dieu, où est-il passé? Tant d'horribles individus rôdent dans le parc de nos jours, j'ai crié son nom pendant une éternité. Puis je l'ai vu en pleine conversation avec une fillette qui avait très mauvais genre. Charles, viens ici immédiatement. Et je dis, et viens ici, je t'en prie, Victoria. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Deuxième voix. J'avais besoin de prendre l'air, alors moi et Réglisse, on a emmené le chien au parc. Il adore le parc, j'aimerais bien avoir la moitié de son énergie. Je me suis installée sur un banc et j'ai consulté les offres d'emploi. Je sais que c'est une perte de temps, mais on a tous besoin d'un petit fond d'espoir, non? Puis ce fut l'heure de rentrer. Réglisse m'a bien remonté le moral. On a bavardé gaiement tout le long du chemin. Troisième voix. J'étais seule une fois de plus, tout seul dans ma chambre. Je m'ennuyais comme d'habitude, puis maman a dit que c'était l'heure de notre promenade.
Il y avait dans le parc un chien très gentil et Victoria s'amusait beaucoup. Elle avait de la chance, elle. Ça se dirait de venir faire du toboggan? Demanda une voix. C'était une fille, malheureusement, mais j'y suis quand même allée. Elle était géniale au toboggan. Elle allait vraiment vite. J'étais impressionnée. Les deux chiens faisaient la course comme deux vieux amis. La fille a ôté son manteau pour jouer à se balancer, alors j'ai fait la même chose. Je grimpe bien aux arbres et je suis montée comment s'y prendre. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Réglisse, drôle de nom, je sais, mais elle est vraiment sympa. Puis maman nous a surpris en train de parler et j'ai dû rentrer à la maison. Peut-être Réglisse sera là la prochaine fois. Papa n'avait vraiment pas le moral. J'ai été contente qu'il propose d'emmener Albert au parc. Albert est toujours extrêmement impatient quand le détache. Il est allé droit vers une magnifique chienne. Elle a reniflé son derrière. Il fait toujours ça. Bien sûr, elle s'en fichait, la chienne, mais sa maîtresse était hyper fâchée, la pauvre pomme. J'ai finalement pas parler à un garçon sur un banc. J'ai d'abord cru que c'était une mauviette, mais en fait non, on a joué à la bascule et il n'était pas très bavard, mais ensuite il est devenu plus cool. On a attrapé un fou rire quand on a vu Albert prendre un bain. Puis on a tous joué dans le kiosque et j'étais vraiment, vraiment heureuse. Charlie a cueilli une fleur et me l'a donnée. Puis sa maman l'a appelée. Et il a dû partir, il avait l'air triste. En arrivant à la maison, j'ai mis la fleur dans un peu d'eau et j'ai préparé une tasse de thé pour papa. Fin de l'histoire à quatre voix. Ce livre a été donné à l'école parce que demain je vais avoir une évaluation sur ce livre. On aura des questions sur ce livre. C'est pour ça que j'ai préféré de le lire pour m'entraîner aussi un peu. Voilà. Ah non, j'ai encore un truc. Oh là là. Faut que j'enlève ce truc là. Et voilà. Voilà. Maintenant, cette histoire à quatre voix. Ça a été prêté par l'école. Comme demain, c'est ma rentrée, mais parce que moi j'habite à Nogent-sur-Oise, voilà. Ben, à Nogent. Et ceux qui habitent à Paris, c'est du 2 avril. Ben, là, on est déjà.
parce que demain c'est la rentrée, il faut que j'en profite encore de jouer à ma tablette et jouer un peu aux jouets. Et voilà. Là j'ai mis le bazar là. Voilà, une histoire à quatre voix. Il faut que je le relis peut-être demain parce qu'on aura une évaluation demain. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ben, moi je vais pas encore faire une vidéo. Si vous voulez, je vais faire une vidéo sur Tomodachi Mec, mais j'ai pas encore le jeu. Mon père va me l'acheter, je sais pas c'est quand, mais... Le jeu, mais... On va voir c'est quand. Mon père, il m'a promis le 10. Donc, voilà. Moi, je regardais, c'est pas associé. Voilà. Cette histoire à quatre voix, elle est un peu géniale. Bah, il faut pas déchirer. Je vais pas déchirer. Bah, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ne pensez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et rejoignez-moi. Si vous avez l'application Mitomo, mon Mi s'appelle Linda, mais je sais pas si vous l'avez trouvé dans la plateforme Mi. Elle a une coupe de cheveux rose, des ailes d'ange, oui, et une jupe rose. Et un haut qui est blanc. Et voilà.